Alors ma fille vient de me signaler, rentre du boulot, il est 9h du matin, elle vient de me signaler qu'on nous a laissé au portail un chien avec ses croquettes. Alors, je ne sais pas où par contre, elle ne m'a pas précisé. Donc ben, on va chercher ensemble. Ah, c'est là. Alors ça, c'est quand même incroyable. Bonjour. Salut! Oh, mais t'as une chaîne, dis donc! Ah, ils ont fait les choses bien! Ah, ça, c'est vraiment une honte! Bonjour! Oh, tu montes les dents, ça se sent! Ouh. Catherine, elle a pas peur des chiens, ma puce, c'est pour t'aider! Hein? Bah alors? Bah, je vais te récupérer! Alors, en fait, à mon avis, tu grognes parce que tu protèges tes affaires et en plus, t'es attachée! Donc, on va faire les choses bien, bah, déjà enlever ta gamelle! Hein? On va déjà lui enlever. Tu viens? Tu continues de filmer ma puce? En fait, elle protège ses croquettes, à mon avis. Puis elle est morte de trouille. Elle a dû passer la nuit dehors. C'est pour ça que les chiens aboyaient. Tiens. Fais gaffe. Regarde ma puce. Voilà. C'est juste pour te réamuser hein, quand on. C'est très très bien. Voilà. Elle protège ses croquettes. Bien, voilà, c'est bien. Voilà, très très bien. Alors, on va mettre les croquettes en bouclier, au cas où. On prend la petite laisse de la chienne et puis on va essayer de la ramener à la maison. Là, ma puce. Ouais. C'est une chienne? Oui, je pense. C'est bien, ma puce. Elle est, je la trouve maigre. C'est bien. J'hallucine. Ça va? Bonjour. Bon, on va regarder si elle est pucée. Alors, si vous la reconnaissez, ben, faites un petit partage. On va faire des photos. On va pas la laisser dans la rue. Hein. Honte à ceux qui ont fait ça. Viens, viens, viens.